Pour cette année 2020, j'aimerais souhaiter mes voeux les meilleurs à toute la population d'Arboisseau, à tous les enfants du 108, pour que cette année 2020 soit une année de santé, surtout de paix. J'aimerais que la paix, la vraie paix règne entre nos fils d'Arboisseau. À cette année 2020, dans mes voeux les meilleurs, d'abord s'adresse en première position à ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères, toute la grande famille Traoré. Et mes deuxièmes vœux, c'est adressé à la famille de l'artisanat, les artisans, dont je suis le président. Donc je souhaite les vœux les meilleurs, en tout cas à tous les artisans d'Arboisseau en particulier, et les artisans de toute la Côte d'Ivoire du monde entier. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc on souhaite que vraiment le panier de la ménagère soit amélioré en cette année 2020 et que l'année 2019 part avec tout ce qui est malheur, tout ce qui est mauvais, et que cette année 2020 nous apporte bonheur, bonheur, bonheur. Je souhaite bonne année à tout le monde, tous mes enfants, à toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, je veux que la paix soit avec nous. Tout ce qu'on cherche, on n'a qu'à avoir. La santé, la paix. Je profite de ce moment pour souhaiter bonne année à toute la population d'Arboisseau et bonne année à tous les clients du Paradis Cosmétique. Que cette année 2020 soit une année de paix, de prospérité, de bonheur pour toute la population d'Arboisseau et que la cohésion sociale soit stable dans ce pays. Je veux que cette année 2020, que ça soit une année de bonheur, que ça soit une année de paix, une année de joie. Tous mes parents qui sont tombés ici, toutes les années, bon, qu'on oublie ça, qu'on laisse passer, bon, qu'on va dans la paix, que la paix règne dans ce pays. On remercie Dieu pour l'année 2020 qu'il a permis à ce que nous trouvons. Et aussi, il lance un meilleur vœu, la santé d'abord, le bonheur et puis le succès dans tout ce que nous entreprenons. Je salue mes amis, je salue mes clients, je leur dis meilleurs vœux, la santé, prospérité, toutes les bontés. Longévité. Je profite de cette occasion, la nouvelle année bien entendu 2020, pour dire mes meilleurs voeux à toute la population du Sud Komoué, hein, et puis à la population d'Arboisseau, et puis souhaiter tout ce qui est bien, tout ce qui est meilleur à toute cette population, et puis parler aussi de nos différents radios, que désormais les gens soient à l'écoute de tous nos programmes, ça c'est important, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, et puis saluer les responsables aussi des radios sœurs, je parle de PES108, BIA, FM, et puis Arboisseau 24, nous sommes dans le même bateau, hein, on fait le même boulot, et on doit être unis. Je parle aussi à travers tout ça, les radios du Sud Komoué, et je demande à tous nos frères des médias d'être unis, d'être ensemble, surtout pour l'année 2020, ce qui nous a peut-être divisé en 2019, que la chose nous réunisse pour 2020. Ce sont mes voeux de bonheur, de joie, de paix. Et puis tous ceux qui sont malades, parce que j'y tiens, tous ceux qui ne se portent pas bien, tous ceux qui ont eu des difficultés pour l'année 2019, à tout ce monde-là, que 2020 soit une bonne année pour tout ce monde-là. Bonne et heureuse année à toute la commune d'Arboisseau. Beaucoup de bonheur à tous ceux qui nous regardent. Beaucoup de santé surtout, et paix et joie dans tous les foyers en Côte d'Ivoire. En tout cas, je vous remercie. Bonne année à vous.